Les idéaux français de liberté, d'égalité et de fraternité résonnent dans le monde entier comme un devenir de ce que la France représente pour ses citoyens. Mais que signifient ces valeurs pour les citoyens français d'origine arabe? Une enquête de Arab News, en français, et YouGov auprès de plus de 1000 Français d'origine arabe a cherché à trouver les réponses. Plus de 64% des personnes interrogées pensent que la majorité des Français estiment que le mot arabe soulève des connotations négatives, tandis que 67% des musulmans et 61% des juifs estiment que leurs croyances sont mal vues. Plus de la moitié des personnes interrogées, 59%, pensent que l'image de la France dans leur pays d'origine est positive, alors que près de deux tiers, 64%, pensent que les Français ont une perception négative des originaires du monde arabe. Certaines idées préconçues sont également remises en question. Un nombre des interrogés, 45%, estiment que leur origine arabe n'a aucun impact sur leur intégration. 48% ne croient pas que la religion a joué un rôle dans celle-ci, et 46% pensent que la race n'a pas un impact sur leur carrière. Cette positivité n'est pas aidée par un comportement générationnel. Ce qui est inquiétant, ce sont les jeunes qui ont le plus de mal à s'intégrer. 58% des 18-24 ans soutiendraient l'équipe de football de leur pays d'origine, alors que 70% d'entre eux sont nés en France. Comparez cela aux 72% de plus de 55 ans qui soutiennent les Bleus dans leur pays d'origine. Certains stéréotypes sont brisés par cette étude. Si certaines de ces conclusions présentent des défis dans l'avenir, la compréhension d'autres permet de réaliser du progrès.